Masterclass. Alors, émission va commencer, mais on s'est dit que nous avons au moins une heure. Tellement de voix dans le plateau. Mais honnêtement, non, le plateau. Et ça bien parce que personne ne peut arriver en Italie. Vous avez bien tellement. Mais oui. Mais nous sommes bien, nous en famille là. Nous bien. Blé. Voler. Non, on va parler de voler. Non, parce que voler, comme ça, on va réfléchir, voler. Parce que les gars vont voler, c'est comme ça qu'ils vont dire, voler, pas des gendarmes. Ben, justement, ça fait mal un péché, tu n'as pas présenté, tu nous présentes. Oui, si nous, ben, il y a un péché, ou assis, ben. Alors, mon petit message pour moi, vous voyez, c'est là. C'est moi là qui a coupé ses péchés. Maman là, arrêtez de couper ses péchés. Il y a un moment, il y a un appareil à couper. Nas, pas parler de Nas. Mais arrêtez de couper. Wane, on va venir Wane. Adema. Et puis nous pareil, c'est pareil Dema. Nous avons Dema, 3, 4, 5. Mais vous pas vous avez Adema. Venez ouais moi. Mais quand mettre un travers les Nas là, les gens qui coupent Nas, ils capotent toute Nas, regardez ça, quoi monsieur, qui a coupé Nas. Mais oui, maman la parce que c'est péché, c'est ça qui va manger. Alors moi ça veut que c'est les plaisanciers, les plongeurs. Vous les considérer nous cabaye poisson, mais c'est poisson qui fait nous vivre. C'est péché, c'est ça, c'est ça nous vivre famille. Ti tutus, c'est coq, c'est poule, bon, c'est poule qui fait vivre, c'est poule qui fait vivre, c'est coq qui fait vivre. Agriculture, c'est les gym qui fait vivre, mais péché à maman là, c'est poisson qui fait nous vivre. Alors, Adema, je vais venir et puis nous allons faire une petite délégation. Nous allons montrer les autorités pour nous demander de faire un petit peu plus de contrôle dans la mer. Alors, alors merci de nous faire. Il va venir nous faire un petit peu. Il m'a dit, bah nous c'est même poisson, c'est même race là, mouben. Oui. Non, mouben ça va plus boire, c'est pas un fou, il va manger, va voir. Des fois c'est vrai que mouben. Mais oui. C'est même race parce qu'il casse son mari en tête fer. Mais c'est même. Mais tête en plastique. Alors, vraiment, tête fer et puis mouben, on peut quoi différence. Non, mais c'est même famille. Pas besoin, et qu'on s'en reparle de la musique. C'est même famille. Mais il passe tellement, ça lui passe tellement, il pose la question. C'est comme un repêché. Bon, au moment des idées, on va te faire, il va arriver. Elle dit ça, oui. Je ne suis pas dans le monde. Je ne suis pas dans le monde. Le pasteur Célas qui est venu au soir. Oui, pasteur Célas, on a dit bonjour à tout le monde. Couli. Blondel. Frère Couli. Yes. Pas vous en bail de l'eau, non? Vous l'avez pas tant frigidé. Pas vous en bail de l'eau. Pasteur Célas, Steve Aubert, qui a parlé non du coup de cœur, coup de gueule. Oui, tu sais, coup de gueule, maintenant, parce que c'est maman là qui a coupé dans ses péchés. Maman là, il ne pas fait ça. Et il m'a renvoyé un petit coucou, parce qu'il a fait plusieurs fois, il a dit ça. Voyez un petit bail, bah, moi. Et c'est un petit agent de sécurité qui est l'église Saint-Christophe là. Tous les dimanches, nous renvoyons là. Il a un chabin, donc il a des missions tous les soirs, toutes les, c'est un fan. Alors il dit, moi, voyez un petit coucou, bye. Alors, hey, chabin, vous avez ça, vous m'avez big up, hein? Moi, voyez, hein? Ok, vous m'avez dit, moi, ça. Nous avons besoin de bougies. Big up, là, Isa. Big up, big up. Faut pas mettre comme beau-père. Okay. Mais c'est dit pour qu'on va respecter. Avant, il était qu'à crier Ami Titus. Il était qu'à crier
tonton Titis, monsieur Titis. À présent, c'est moi qui suis entré là. Et ma fille, on va des cigarettes, moi, ma fille. Titus, Titus. Eh bien, il cherche Titus. Et je dis à Sam, le coq-leur, papa, moi, j'ai un combat sans sali. Et puis là, il était entré en pit là, il quand il l'a dit coq là. Titus. Et puis après, c'est le même passé, quand il dit, je dis à Sam, c'est le même rapport. Titus. Est-ce que c'est pour en bas ou en les mamans là? Venez en pit là. Vous êtes caillou. Merci pour vous. C'est venez en pit là. Mais venez bien. Et puis, je vais profiter de livrer un bonjour. C'est mon journée. Hein? Mon journée m'a dit que nous allons y inviter ici. Hein? Serge Bazas. Serge, bonjour, ça savent. Ma banane. J'aime ma banane. Je pluche ma banane. Je loge ma banane. Je mange. Alors, mon vent dit bonjour, Bobby. Tu es bien, nous assemblons. Ben là, c'est comme ça. Et puis, nous retenons le plateau. Hein? Oui, nous retenons le plateau. Et puis, Titus. Titus. Et puis, nous, capitaine bateau. Capitaine bateau. Jackie Jack. Le fondateur de la bonne humeur. Le fondateur de la bonne humeur. C'est nous. Oui, absolument. Est-ce qu'elle nous peut saluer notre manager général? Oui. Grégo. Oui. Il manage. Et puis l'autre là. L'autre là c'est le manager général adjoint. Adjoint. Oui. Monsieur. Il n'est pas manager général adjoint. Il est sous-manager. Et en bas de la Oui, c'est manager sous. Ah bon? Parce que où ça. Oui. Où ça tenait en boug? Oui, ni au sous le manager, parce que tenait en boug. Il y a un docteur qui dit comme ça que il pas arriver faire chez madame ni qui manière il pas arriver pas ça qui manière il dit ben là entre couchant les madame là préfayez et ben il prend lié à étage je mettais madame là en bas couchant là Eh bien, attendez, je vais poser une question. Oui, rapidement, parce que nous sommes en programme chargé. Je vais poser une question. Les y a un bouc sorti d'en bas. Qui ça vous garde? Les y a un bouc sorti d'en bas. Il sorti bouc. Il a dit, monsieur, c'est un homme. Peut-être que ça soit d'un bouc là, bref. Oui. Mais des fois, où ça vous savez, nous avons des parce que nous avons des cimetières après-midi. Oui. Je traverse le cimetière, je vais regarder comment tu sortais derrière pied. Là, il y a un bouc qui sorti dans le cimetière. Qui ça vous a dit? Il n'y a pas dit mort. Qui va aller vous sortir par là quand il sortit boire comme et là sortir au cimetière il pas qu'à dou mort yo te pour yo me dit écoutez alors monsieur mort alors c'est yo quand il cadre au cimetière yo quand il va sortir au cimetière surtout général c'est là peut-être c'est mort vivant qui sortit là aussi bien alors en parlant de d'accord peut-être c'est un mort vivant alors pasteur c'est là c'est pas encore bon grade. Ah! Alors il paraît que. Après, ça nous. Justement, pourquoi tu as dit nous sorti? Ah! Après, ça nous a compris. Alors, donc effectivement, Pasteur Célas, il paraît que reconnu par la profession. Oui. Ah ouais, très reconnu. Il paraît que le peuple même. Madjeri, bon monde. Oui, il paraît. Alors, demandez-nous. Madjeri, monde qui pète femme mieux. Femme qui pète non mieux. Femme qui a parlé trop. C'est ma Djerio. Alors, donc, attends, femme qui a parlé trop. Bouk a parlé trop. Bouk a parlé trop. Parce qu'on dit quoi. Bon, normalement, je suis guéri. Je suis guéri. Non, c'est guerrier. Non, je suis guéri. Ah bon, d'accord. Je suis aguerri. Alors, alors, profession, demandez-nous, en le plateau en direct, de remettre tout. La force du lion. Maman. Dites-nous, remettons la force du lion parce que c'est un bagaille qui a monté haut dans cette session-là. C'est en Afrique. Non, puisqu'il y a en Afrique, c'est un bagaille qui est mondial. Alors, demandez-nous.
c'est Zouk Télévision de Mado, ça. Non, profession. C'est la population et le peuple. La congrégation des pasteurs. Exactement, la congrégation. C'est le terme, c'est la congrégation des morts vivants. Alors, Mani là. Parce qu'il y a des travaux qu'on a fait des moments, il faut aller dans le cimetière. Alors, Mani là, alors, je vais montrer. On va voir si nous pouvons. Ouais, là, c'est la cérémonie. Là, c'est sérieux. Mon budget, alors, cérémonie. Ouais, il faut montrer. Ouais, c'est sérieux. Alors, c'est ça. Oh là là. Voilà. De l'or, ça. Ah ben, non, de l'or. Vous dégâts brillez. Tout ce qui brille. Il molle. Et de l'or, c'est de l'or. Alors, donc, c'est. Alors, maintenant, on l'a barre aussi passé. Alors, donc, c'est Geneviève. Oui. De Sunflower. Geneviève, ah, oui. En plus, ça, c'est sérieux. Geneviève. Qui offert ça? Ben, là. Geneviève, de Sunflower, Fort de France. La revue de Torsé, bien. Geneviève de Flore. Oui. Geneviève de Flore. Sunflower. Sunflower. Ouais. Eh bien, je vais passer aux autres et je vais faire un travail avec les autres. Les autres vont l'or par pelle. Tout l'or arrête disponible. Je vais faire un travail. Si c'est Sunflower, alors, c'est Sunflower. Alors, on y mettait lentilles, diri, sel. Caillou va doué. Et puis un poulet. Et nous longtemps pas manger pigeon. On a trois pigeons différents couleurs. Mais pas travail. Trois pigeons différents couleurs. Ouais. Et oui, et la force du cheval. C'est la force du cheval. Ouais. Non, le cheval est en lui. Mais là, il a la force du lion maintenant. Non, là c'est un lion. Hein. Non. Non, c'est un lion. Là, c'est col sans bruit. Eh ben bravo. Bravo. Il a la force du lion. Je n'en vois pas. Voilà. Merci Geneviève. Ça te met un bisou. La Rue Fort France, la Rue Critter, c'est la Fort France qui va nous avoir. Ça te met un bisou. Ouais. Bravo. Donc tout le monde, allez, parce qu'ils font bel geste là. Le pasteur, c'est là. Le monde sauvé à présent. Ah oui. À présent, le monde sauvé. Et puis ça m'a fait marcher en l'aigle. Oui. M'a fait marcher en l'aigle, Elisa. À toi deux. Oui, mais bon, Mounia. Maintenant, toi deux, m'a fait marcher en l'aigle à présent. Oui, Mounia, quand nous en bas. Non, on va marcher pas à pas. Alors, ça va faire un sujet quand même que. Zouk TV émission ta grâce à les badjolais moi quoi au niveau sondage Zouk TV premier parmi dans les sondages hein? Non mais on va voir ça c'est de la force du bien là nous est premier là nous est devant première nous est mais dit ça mais en fait pour comprendre nous pas bailler les autres nous pas mon pas bailler les autres en tout cas merci Geneviève de Sunflower la bijouterie à la rue Victor Sévère qui a fait ça et puis il était quand travailler France Antille avant ça celle là il faut me faire musculation ça loue. C'est pour la force là, force c'est bien plus ou là. Alors ça qui passe c'est Simenda. Eh bien Simenda. Nous avons un nouveau préfet. Il y a eu l'appel de force, il y a eu plein de choses. Bon ben nous allons dans le nouveau préfet. Alors est-ce que vous connaissez lui? Ah non. Bah, un nouveau préfet. Est-ce que c'est plus un préfet? Hein? Non, il n'y a toujours pas un préfet. Mais c'est. Alors c'est Monsieur Bouvier. Le nouveau préfet de la Martinique. Louvier. Voilà, donc c'est Monsieur Tala. Donc, quand nous vous souhaitez, bienvenue en Martinique. Nous sommes très accueillants. Il cherchait Isla Gébey. Isla. Non, mais nous sommes obligés de changer chasseur carnaval. Nous sommes obligés de changer nos jours. Non, nous sommes obligés de changer ces chasseurs carnaval là. Mais pas même ça. Bah mais de ça, si vous êtes venu pour travailler, ouais, parce que les gens viennent pour manger, ils sont tannés qu'à manger langouste, ils sont inclus qu'à manger et oursin. C'est ça qu'ils ont fait. Alors il est en 1966 hein, quand même. Ah, Mais c'est toujours des moments qui sont sortis de l'autre côté. Hein. Pour que nous ne pas faire
formé de l'école, ni de l'école, les hautes études. Nous avons tout le monde en France et puis nous avons tout le monde qui venir. Pour nous ne pas former, ce n'est pas un qui. Bon, parler de dénigrer d'autres professions. Fait nous faire ces jeunes mamans nous hein, c'est dans d'autres bails dans toutes les catégories mais oui mais pour tu nous pas former préfère qu'à nous bien tous les directeurs de cabinet jamais. Directeurs de cabinet là mais sous c'est en métropolitain aussi pas d'accord avec non non mais après il va dire mais c'est la réalité nous payons des mamans qui a fait des grandes études et puis nous ramettez nous ni des préfets martiniquais bon, alors monsieur moi c'était mon oui vas-y mais pas d'accord avec vous deux secondes mais pas d'accord avec vous. Il y a mettre un préfet martinique en Martinique. Ouais, pas une grève, pièce pas une grève. Pas une grève, mais qui a avantagé une famille. Pas une équitable. Toute famille qui a une famille. Qui a mis étranger, il n'y a pas de personne. Oui, c'est bien, il y a pour tout le monde. Alors, donc, est-ce que l'association a fonctionné toujours? Est-ce que ça t'a arrêté ça? Non. Alors, et puis, si maintenant t'es ni l'appli, c'est total, nous t'es moulé, tu vois, parce que l'appli a battu. L'appli a battu, mais l'association, nous là. Et Jaco, vous a savé, nous là, nous avons battu. Ah ben, nous avons écouté Jaco là, qui a raconté un petit blague. En nous, Jaco. Très bien. Tu peux gagner, nous avons là. Par contre, non, mais. Martinique, il va aller au marché. En France, pour aller défendre les Martiniquais, ils ont trois parties. Ben, il y a longtemps, hein. Là, ils finissent toutes les affaires, ils ont rassemblé. Ils devraient faire tourner en ville, en France, ils ont regardé où ça a passé. Alors, ils ont marché, puis ils ont passé, ils ont plein de bêtes, ils ont ça. En y tenant un député qui est sous les dégâts détachés, alors ils restent pour s'amarrer sous les. Et puis, ils ont fait signe comme ça. Il est parti, il est venu. Alors il est arrivé à côté, il dit, qui m'a demandé dedans pour dire qu'on ne savait pas voir. En France, alors faut nous raconter des blagues quand même, mais oui. En France, ils ont fait discrimination. Alors, Baptiste, jamais savent que ça a existé. Ah bon? Qu'il y a des boîtes de nuit et tu as empêché les d'entrer. Ah, ça a toujours existé. Non, ah, mais attends, mais pas à l'époque là quand même. Ah, ça a toujours existé. Non, mais pas à l'époque là. En France. Oui, oui. Alors, dans les boîtes de nuit. Alors, si on est des quatriers, exactement ça qu'a fait Martinique. Donc, quand on empêche les d'entrer. Ah, Baptiste, ça faisait quand même. Mais même pour le travail. Ah oui, pour le travail. Ah oui. À l'embauche, sur où tu es. Et loyer, Kaya. Il n'y a pas quand même pour nous. Et pour loyer. Avancez ces images-là. Voilà. Donc, à l'embauche, voilà. Alors, bonjour, monsieur. Et là, on cherche un cahier. Voilà, nous ne cherchons personne. Toi, l'arrivée, ou quand tu es venu, oui, ça va. Ah bon, et Kaila, comme j'ai déjà dit. Il y a un cahier. Il y a un cahier, comme ça, facilement. Alors, il y a un cahier, comme ça, au téléphone. Il y a un cahier, il y a un cahier, il y a 5 minutes. Mais oui. Ça, c'est pour moi. Nous de dénoncer ces états-là. Et puis, même au restaurant, il y a des restaurants qui ne sont pas capables. Oui. Il y a un café dit. Mais ça nous connaît chez des restaurants français. Bon. Il va pas tout temps d'acheter, il va tout temps fouiller, il va tout temps baiser. Non, mais des fois faut chercher là. T'es loupé. En blague. Oui. Non, alors tu blagues, mais là-bas, en blague. Oui. Non, mais c'est un bouc qui allait au docteur pour il a fait un bilan pour la prostate. Ça, vous savez, les hommes, là, on est en âge, faut qu'on aille faire. Faut de temps en temps des petits de 50 ans. Oui, il faut qu'on aille vérifier, faire des petites visites avec le docteur. Alors, pour aller voir le docteur, il n'y a pas de problème. Bon, il a l'habitude d'aller, le docteur met ses gants. Il dit bon, déshabille-toi pour moi garder où c'est ça, ben, l'affaire. Le docteur met ses gants, il dit bon, baissez. Le docteur met ses gants, commencez à garder. Travail, vous savez, bon, vous avez connaître les visites de prostate. Ouais. Et le docteur a approché, a commencé à tâter, tester, regarder, ouais, comme ça. Puis à un moment, il s'est dit, Bouga, gêné. Il dit, Bouga, mais non, pas besoin, gêné. Moi, je sais que c'est normal que ce Bouga, la plupart de ce Bouga, les mecs qui ont fait, les mecs qui ont sculpté, ils ont ça, ils ont une érection.
Alors, pas pour se gêner. Alors, vous regardez, mais docteur, moi, pas une élection. Docteur a dit, mais c'est pas où il y a une élection. Alors, ça gonne, gars, docteur, regardez, docteur. Et mon un problème, docteur, il y a un problème. Docteur, je le savais, docteur, est-ce que je peux vivre jusqu'à 80 ans? Docteur a dit, est-ce que je peux vivre jusqu'à 80 ans? Docteur a dit, bon, ben, pour vivre. Oui, docteur, je peux vivre à 80 ans. Est-ce qu'on pense que je peux vivre à 80 ans? Docteur a dit, bon, ben, assis là, je vais essayer pour vous. Docteur a dit, vous fumez? Ah non, docteur, je ne vais pas fumer. Jamais fumé. Ou quoi boire alcool? Non, docteur. Jamais boire alcool. Et. Ou maïe? Oui, maïe, docteur. Et combien de madame? Y'a salé madame? Ou pas une pièce madame dehors? Non, ou pas à couille? Non, docteur, ma couille. Docteur, mon doux, mon lévi va à 80 ans. Et docteur a dit. Est-ce qu'on a la foule de Goloto? Est-ce qu'on a Goloto? Il dit non, docteur. Comment on parle de Goloto? Non, Goloto, non. Comment tu es en Afrique là? Non, docteur. Docteur a dit bon, est-ce qu'on se boucaille danser ou quoi passer nuit? Non, docteur, mon père a fait ça. Mon père a fait ça. Mon père a fait pièce de bête. Docteur a dit bon, a fait pièce de bête. Ça, on va arrêter de faire. Allez, là, t'as 80. Merci, oui. Merci. Que s'est-il passé le 1er janvier 1899? Que s'est-il passé le 1er janvier 1899? Ben, c'était le jour de l'an. Excellent! Moi, je sais comment c'est réfléchir. Non, moi, je vais dire, je vais retenir 1800. Quel est le fruit préféré des militaires? Non, il y a chaque année. La grenade. La force du lion. Bon, qui m'a dit? Il dit. Alors, les seules fois où les politiciens disent la vérité, c'est quand ils se traitent entre eux de menteurs. Ça, c'est peut-être en vérité. La seule fois où les politiciens disent la vérité, c'est quand ils se traitent entre eux de menteurs. Est-ce que c'est un politicien qui dit ça? Non, c'est pas un politicien. Non, un journaliste. C'est pas un journaliste. Mais vous le connaissez très bien. Enfin, en tout cas, je connais. Un Martiniquais? Non, c'est pas un Martiniquais. Un Guadeloupéen? Non, c'est pas un Guadeloupéen. Non, c'est pas un Guyanais. Un métro? Non plus. C'est pas personnel. En train. Si, non, mais à part ça, il y a le monde qui existe. En train. En train. Un Africain. Même si c'est dit en métro, on disait pas ça, on m'a dit en train. En plus, c'est CSPA. Si c'est dit en métro, on disait pas ça, on m'a dit en train. C'est pas ça, on dit en métro. Mais non, c'est un bon idée. Non, métro, il dit. Mais oui. Il dit ça en métro. Quand vous dites, on m'a dit en bus. On m'a dit en train. Alors, l'unité CSPA. La seule fois où les politiciens. Disent la vérité, c'est quand ils se traitent entre eux de menteurs. Est-ce que c'est un écrivain? Non, il n'est pas écrivain. Il n'est pas écrivain. Est-ce qu'il écrit 19? Il t'a moins quoi qu'il écrivain. Est-ce que c'est. Un pays? Un pays de la Caraïbe. Oui. Cette ici? Non, Pigon. Haïti. Dans les Grenadines, Porto Rico. Jamaïque. Voilà. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley.
La seule fois où les politiciens disent la vérité, c'est quand ils se traitent entre eux de menteurs. Bob Marley qui dit et Bob Marley est mort en 1981 à l'âge de 36 ans. Il est né en 1945. 36 ans. Je vais ajouter un bail politique, ces politiciens. Où ça, mensonge en politicien, c'est soulagement malheureux. La force du lion. La force du lion. Mensonge en politicien, c'est soulagement en malheur. Ah ouais, content. Il va vous dire, il va aller dans son non, c'est pas il menti. Parce que là, il y a un bail. Ou content, mais c'est menti, il menti. Oui, là, nous comprenons. Alors, il y a une citation encore que Bob Marley. C'est quand il dit que certaines personnes aiment le pouvoir. D'autres ont le pouvoir d'aimer. Bob Marley. C'est un gros sentimental aussi. Hein? C'est un gros footballeur. Un sentimental. Alors, puisque tu parles de sentimental, la plus belle courbe d'une femme, c'est son sourire. Bob Marley. Oh. C'est un frère. Dominique femme qui coule. Dominique femme qui coule. Les mains. Inisel. Inipoivre. Oh, Dominique femme qui coule. Oh, Dominique femme qui coule. Mais on est l'autre lunette là. Vous qui l'avez? Qui m'en dit là? Pasteur. Alors là, qui m'en dit là? Trésor. Absolument. Marius Trésor. Bon, je le fais les gars. Marius Trésor. Attends, va nous rester là. Alors c'est Marius Trésor effectivement qui l'a. Grégory Poisson. Marius Trésor, il est 72 ans à présent. Jeune, hein. 72 ans. Il est à Saint-Anne en Guadeloupe. Et puis il joue à Marseille, Ajaccio et Bordeaux. Et puis il joue à Juventus. 65 sélections. Nous allons continuer. Il joue à Juventus. Jusqu'à présent, c'est un sans faute. C'était la garde noire. Un sans faute. La garde noire avec Adams. Adams. Oui. Alors, Grégory, on continue. Marvin, nous allons continuer. Là, c'est qui? Alors, maman des trois noms, ou bien maman côté gars. C'est un sportif toujours. C'est pas un sportif. Non, ça me dit ça. C'est un écrivain. Oui, entre autres. Guadeloupéen? Non, il n'est pas Guadeloupéen. Il est martiniquais, guyanais. Guyanais. Il a écrit avec. Il a écrit certains livres avec Césaire, non? Non, il n'a pas écrit de livres avec Césaire, mais il était ami. Léon Contre-Dame. Excellent. Léon Contre-Dame. Bravo. Il faut gagner un soldat, dit Daniel. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui est ce monsieur? L'abbé Pierre, pas l'abbé Pierre. Et l'abbé. Vous connaissez Missy? Oui. Eh bien, il n'y a pas l'autre que nous a laissé. Attends, pas dit, maman, que c'est Monseigneur. Non, il n'y a pas l'autre. Marissin. Avant Marissin, il n'était pas Monseigneur non plus. Il était prêtre, il était prêtre. Et c'est lui qui était responsable. Pas vraiment. Non, il était un petit peu plus. Il était Monseigneur, mon Dieu.
Non. T'es achevé. Alors, il a été nommé prélat d'honneur par le pape. Pape, oui. Par le pape. Il partait à achevé. Benoît XVI à Rome. Qui nomme ici? Eh bien, monsieur. Saint-Étienne. Non, non, mais quand même, les gars. Oui, il... c'est non, mais ça. Alors, il est mort à 103 ans. 103 ans. Oui, il n'y a pas longtemps. Il est mort à 103 ans, la force de France même. Avec tout ça. Maman était lorinoise et papa était diamantinois. Et c'est lui qui crée Radio Saint-Louis. Saint-Louis, oui, Radio Saint-Louis. Il a créé Radio Saint-Louis. C'est Grégory Le Père, Jean. Le père Jean-Michel. Gaston Jean-Michel. Le père Gaston Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel, quand même, là, non. Non, donc, à continuer. Marvin. Gaston, le téléphone à passion. Alors, est-ce que vous êtes connaître monsieur là? C'est un écrivain. Non. Moi, je ne m'a pas connaître lui. Non. Non. C'est pas un Martiniquais. C'est pas un Martiniquais. Pas connaître lui. Mais qui est arrivé en Martinique en 1969? C'est un Africain. Oui, il est arrivé en Martinique. D'origine africaine. Oui. Il est Africain. Oui, il est Africain. Il est arrivé en Martinique en 1969. Il travaille dans le milieu religieux. Non, docteur en Martinique. Exactement. Docteur Baguidi. À l'hôpital de la Martinique. Non, il est toujours là. Voilà. Et puis, Grégory, on continue. Est-ce que vous connaissez cette jeune personne? Ah, il y a quand même belle madame. Hein? Exactement, les mamans des jeunes. Danseuse. Bah, bah, ouais, non. Elle est danseuse. Ouais. Non, elle n'est pas danseuse, mais elle fait de l'art. Bah, il dit là. De la monde des messieurs. De l'art, non. Non. Oui, oui. Et, non, non. Il a fait un bagage bien précis. Il a fait un bagage bien précis. C'est de l'art. Mais quoi comme art? Dites-moi. Cinéma. Exactement. Vous mettez. Elle a 64 ans aujourd'hui. Ah, oui. Et elle est du gros monde. J'ai petit maman, hein. Ouais, elle a fait plusieurs films, une saison Blanche et Sèche, Siméon, Wicas Neck, le combat de Wibi Bridges. Ouais. 64 ans. 64 mais, ans. Mais qu'est-ce qui a porté couleur Martinique là-haut? Il y a plein de croissance toujours, hein. On continue. Mon cher Grégory, mon cher Marvin. Alors là, est-ce que vous avez nous dit moi qui est là? T'as fait lui, c'est lui. Non. C'est pas lui, c'est lui. Non. Il est mort à 69 ans à Paris. Qui est-ce qui est là? C'est un... Il y a un larry qui a porté dans Martinique. Chercheur, non? Non, pas chercheur. C'est pas quand même, c'est pas chercheur. Non, pas ça. Il est écrivain, philosophe, historien et surtout membre de l'Académie française. La Brésilienne. Non. Alors, Prénoï... Elle semble. Oui, Prénoï... Ah ben oui. Prénoï, c'est... Il est mort à 69 ans et Prénoï, c'est Ernest. De poche. Non. Ernest. Il y a la capote noy, il y a l'école capote noy. Ernest Werner. Excellent. Bravo. Oh là 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 là. Ah non, mais c'est la force du lion, vraiment. La force du lion. Oui, oui, oui. Mais redescends. La force du lion. Non, mais il faut même mettre prêt pour moi, ouais. Puis c'est comme. Ah ouais, tu vois pas. Nous allons continuer. Grégory, il reste encore 4 images, 4 ou 5. On nous parle. Marvin. Alors, Francisco de son vrai nom, France Charles Denis. Caroline Seyantifonkidou. Voilà, qui est né en 1932 et qui est mort en 2013. Caroline Seyantifonkidou. Et il avait 81 ans. Voilà. Chanteur, pianiste, danseur, judoka. Judoka. Hein? Ouais. Oui, judoka. Donc, à continuer. Imogène, hein. Alors, est-ce que c'est Madame Bastère qui l'a. Madame Chirac là, qui l'a. Madame Chirac là. Non, c'est lui qui fait la déclaration de Bastère et puis Chabat. Madame Chirac là. Lucette Michaud-Chery. Oui, il y a une dame de fer. Et effectivement, qui ment à 4 ans. Écoutez, je me dis ça, je excusez-moi, maman. Maintenant, c'est maman Chavry. Chavry, député. Alors, il meurt à 92 ans, mais mon gars, il fait la totale. Ah oui. Il était député, sénatrice, maire de Bastère, secrétaire d'État, ministre. Ouais, secrétaire il fait tout. Ouais. Il fait tout. Madame Panchard. Il permet Bastien. Alors, est-ce qu'il y a un peu de moi qui est là? Oui, là, c'est le meilleur de Chelcher. Absolument, ouais. Monsieur Alfred Almond, qui a 78 ans, qui était à l'UMP, qui était maire et député, du côté de Chelcher. Monsieur Almond, tout le monde Chelcher. Maman Chelcher, ouais, nous là. Chelcher, ouais, les Chelcher. Et puis le dernier, nous avons fini plus tard, c'est pas les messieurs. On y va. Qui est-ce qui est là? Jean Vion, Gérard Jean Vion. Absolument. Gérard Jean Vion. Qui
qui aujourd'hui a 69 ans, il a 1m74, 40 sélections en équipe de France, défenseur, 16 ans de professionnalisme, surnommé le Cerbère. Est-ce que ça veut dire que ça y est, un Cerbère? Ben c'est ça, je vais trop vite, les gars. Ah ouais. Le Cerbère, c'est ça, c'est un chien à trois têtes dans la mythologie grecque. Ouais. Donc en équipe de France et puis qui était à l'AS Saint-Étienne. C'est toi qui à l'AS Saint-Étienne au PSG et à l'AS Saint-Étienne. C'est toi qui seulement, il n'y a pas ni l'instant, il n'y a pas toi. En fait, voilà. Alors, donc, quelle est la ville? Quelle est la ville de Poué? Quelle est la ville à votre force là? Nous toutes là, la force du Lyon. La force du Lyon. Nous mangeons Lyon aussi. Quelle est la ville de France la plus proche de l'eau? La ville de France, quelle est la ville française la plus proche de l'eau? Orléans. Dagi Bordeaux. Orléans. Qu'est-ce qu'on dit? Marc, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la ville de France qui est plus près de l'eau, qui borde de l'eau? Eh bien, Orléans. Pourquoi c'est Orléans? Alors, la ville la plus proche de l'eau, c'est Bordeaux. En prononçant son nom, tu le brises. Tu rappelles dit TPI. Mais non, en prononçant, Est-ce que tu rappelles dit TPI? Est-ce que tu rappelles dit TPI? Brisé. C'est qui ça? Non, mais quand tu prononces son nom, tu le brises. Aïe. C'est non, c'est pas aïe. Aïe là, c'est ben, on va faire manger, on va faire la soupe. Oui, mais c'est qui ça? Alors, c'est en prononçant son nom, tu le brises, c'est le silence. Il passe à qui ça l'eau femme qui a dansé et puis il y a un visage et ses femmes là, il a ça pour dire ses femmes là, il y a un visage et ça y est, un camarade. Il dit, comment là, quand il danse là, il y a l'eau femme qui a dansé et puis il y a une belle, mais quand vidéo en bagage et tout ça. Alors, le gars, le camarade dit, mais non, c'est facile. Ou quand il prend un roman, Et puis, le démat, il a allé. Ou quand il dit, mais là, il y a un roman. Alors, le samedi après, il a dansé, il a dansé et puis, en femme, il a dansé. La cadence, il dit, je t'aime, murmura-t-il. Et vous dites, murmura-t-il. Oubliez pas ce morceau. D'ailleurs, il dit, lui, maman. Allez, quoi, nous deux, quoi, tout ça, regardez. Mais là, c'est. Il a expliqué, il a dit, je t'aime, murmura-t-il. Il a dit, je t'aime, murmura-t-il. Pourquoi mon livre de mathématiques est triste? Parce qu'il est dématé. Pourquoi mon... C'est presque ça. Parce qu'il est dématé. Pourquoi mon livre de mathématiques est triste? Parce qu'il est dématé. Pourquoi mon livre de mathématiques est triste? T'as là, pas ta main. T'as là. Il n'y a pas trouvé une solution à ces problèmes-là. Si nous, ben, C'est presque ça. Alors, pourquoi pas répondre ça parce que tu nous bais. Alors, pourquoi mon livre de mathématiques est triste? Eh bien, tout simplement parce qu'il a des problèmes. Mais c'est un livre mathématique. Il y a des problèmes. Et il n'y a pas de solution, mais c'est ça que je dis. C'est presque ça. Moi. D'accord. Où trouve-t-on samedi avant vendredi? Un bagage, un chiffre au mais. Je vais vous engager. Elle est allée à lui, hein? En grec. Samedi avant vendredi. Où côté nous avons ça? Samedi avant vendredi? Oui. Eh bien, c'est le bon rendez-vous. Samedi, et puis on va trouver vendredi. Samedi, il va trouver vendredi prochain. Nous avons trouver vendredi avant samedi. Non, parce que vendredi, je peux parler, je peux dire, ben, samedi, quelque chose.
Ça me dit quelque chose. Non, non, c'est bien le jour. Samedi et puis vendredi. Dans quoi trouve-t-on samedi avant vendredi? Mais c'est pas dans le calendrier en tout cas. Ah si, mais ça existe, ça existe. Caille chinois. Samedi avant vendredi. Mmh. Alors qui côté non, calendrier pas chinois. Pas, pas, non. Mais non, mais on connaît pas le mot. On parle tous les pièces côté. Si. Ça paraît exister. Dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Ouais. Mais oui, esclave en VA. Mais oui, avant. Dans le dictionnaire. Esclave en VA, esclave du samedi. Esclave du samedi. Hein? Esclave du samedi. Dans le dictionnaire, esclave du dictionnaire, c'est ce que du samedi. Et VA veut dire vendredi. D'accord, vous m'avez dit. Mais dictionnaire avant, c'est jouable. Mais m'a dit. Bon, bien dernier. Ou pas nous réponse là, on dit n'importe quoi. Ou pas nous réponse là. Quand on m'a dit dictionnaire, est-ce là avant VA? Ou dit là, il y a samedi avant vendredi. Est-ce là, c'est obligé samedi? Il peut dire ça à l'opi aussi. Est-ce là, il peut dire ça à l'opi? En général, est-ce là avant vendredi, avant VA? Est-ce là avant VA? Oui, quand on a trouvé, est-ce avant VA? Avant non, je vais te mettre et ranger ça pour sauver ou mais je ne vais pas avoir un geste, je vais sauver. Qu'est-ce que je vais sauver? Mais, ouais. Bon, si nous continuons. Si vous voyez passer, si vous voyez passer, non, c'est important. Mm. Si vous voyez passer un chat noir, mais un chat noir, c'est-à-dire qu'on dit seulement, si vous voyez passer un chat noir devant vous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça c'est pas un diabi. L'amour. L'amour, l'amour. Mauvais signe, mauvais signe. Un chat noir. Divorce, tout bas. Si vous voyez passer un chat noir, mais noir, tu vois. Il n'y a pas le blanc. Et qu'au cas où il dit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un chat poilu avec des yeux. Non. Ça veut tout simplement dire qu'il va quelque part. Oui, vous avez dit ça. Oui, oui, il a les cocotés. Oui, mais d'accord. Mais d'accord, oui. Il n'a pas des couillons. Mais pas d'où ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pas d'où ça. Est-ce qu'on chat? Pas d'où ça. Pas d'où ça. Où ça? Et puis un chat noir. Un chat noir. Un chat noir qui a une pièce près de l'an, pièce près de blanc, pièce près de gris en l'œil. Il on peut venir visible. Ou quoi faire travailler avec chat là, ou quoi venir visible. T'es la force du lion, toi, hein, ce soir. Oui, ou quoi venir visible. C'est puis ça, là, quoi faire travailler là pour venir visible. C'est puis un chat noir qui a une branche près de blanc, là, un chat tout noir qu'on dit, là. Mais il faut donner courage pour faire le travail là. Parce que faut donner un bail là. Faut donner un bail. Les tweets, quand détail ça, quand les tweets, Zoa, et pourquoi mettre un miroir devant, quand prendre Zoa, quand fouiller un bouchou, tout en quoi, quand on miroir là, pour qu'on est visible. Vous pouvez tirer mes dailles là. Et puis là, non, on ne peut pas avoir un miroir là, c'est comme invisible. Vous parlez tout partout. Mais c'est bien Chat-Noir. Chat-Noir. Et donc, c'est là, tu veux vivre. Et dans une pâtisserie, comment faut-il ranger les petits pains au chocolat? Comment est-ce avec ça? Dans une pâtisserie, comment faut-il ranger les petits pains au chocolat? Il y en a plein. Mais c'est la pâtisserie. Il y en a plein. Non, vous gassez un coquel, pas une pâtisserie. Alors, dans quel ordre? Alors, comment faut-il ranger les petits dans une pâtisserie? Comment faut-il ranger les petits pains au chocolat? Il y en a les autres. Non, dans l'ordre des croissants. Il s'attend à dire. Nous attendons. Dans l'ordre des croissants, oui. Croissants, pain au chocolat. Mais oui, oui. Mais oui. C'est un jeu de mots. C'est pas. Non, il Dans l'ordre des croissants. Mais oui. Qui venait pas qui en croissant? Il partait de l'appel de Bastien. L'appel de Fort-de-France. Ah oui, tiens, oui. Alors, ça y passe. Bamadou ça. Croissant, il y a l'autre nom. Qui venait pas crier? En dehors de croissant, qui va d'où? Là, nous ne parlons pas de créole. Qui va d'où? Crabe.
cob. On va demander deux cob. Ma bien dit créole, elle nous a parlé créole. Ça c'est bon. On va demander deux cob. Tire Lyon. Lyon, m'espère. Alors, qu'est-ce qu'un fou qui travaille à la poste? T'es là. Un postier? Non. Un fou? Un fou qui travaille à la poste. Ah, man. Qu'est-ce qu'un fou qui travaille à la poste? Qu'est-ce qu'un fou? Ouais, qui travaille à la poste. Tu peux dire quoi, qu'un fou qui travaille à la poste? Non, qu'est-ce qu'un fou? Oui, on peut dire. Qu'est-ce qu'un fou? Oui, on peut dire. Alors, la poste à Pitoni, la poste à Pitoni folle. Hein. C'est un. La poste à Pitoni folle. Surtout là, il était servi. Jacques n'a pas travaillé la poste. On va pas jamais d'où travailler la poste. Bon. Mais Terre-Saint-Ville, quand il touche l'argent bon, et l'argent allocation à Terre-Saint-Ville, il y a qui font folle dedans. Là. Bon, alors, qu'est-ce qu'un fou qui travaille à la poste? C'est un timbré. Oui, t'as bon. Oui. Oui, t'as, bah, il est acceptable. T'as nous. On parle de la poste. Et Tijou l'école là. Toujours, et puis, mais Sarah m'a dit, mais toujours, qu'est-ce que tu veux faire comme, quand tu seras plus grand, comme travail? Et tu veux faire, tu veux être agriculteur? Non, je ne veux pas. Ou être professeur? Non, madame, je ne veux pas. Ou être maçon? Non, je ne veux pas. Peintre, je ne veux pas. Plombier? Non. Mais qui ça va les faire? Bon, Tijou, Maza, on va parler. Qui ça? Et là, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce qu'on y a passion? Qu'est-ce qu'on va faire? L'eau au caillou? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ben moi, pour passer le temps, ben, je vais aller avec tout le monde, je vais sonner, je vais courir. Et bien, ben, voilà, mais quoi, c'est avec un conoposte. Mais pas tout ça, la poste. Avant, je vais aller faire job la poste. Je vais faire le job la poste. Ça, ni monde qui a acheté thème. Après, je vais faire une enveloppe thème, oui. Mais avant, je vais acheter thème, quoi, puis. Quand on les lettres là, eh ben m'a dans la porte là comme ça. Hein. Le chef de mine a dit vous avez collé thème là, il a passé. Ah, c'est le. Ah, c'est le. Ah, c'est le. Ah, oui, oui, bon, alors, un petit moment, il va, j'ai un petit moment, on m'a dit, eh ben, c'est le paradis. Ah, le paradis que tu as là. Ah, d'accord. Papa à côté. Dis, papa, ce que tu as là, je me dis quoi? Papa dit, ben, si maman t'a dit c'est le paradis, et moi c'est la clé du paradis. Il dit, ah bon? Eh ben, papa, il faut changer les clés. Hein? Pourquoi? Parce que le voisin a le double des clés. Bon. Ouais, alors, il demande, quand je suis la savane, alors, deuxième copine qui vivait à Kawé, première copine, il passe vivre là, c'est très triste quoi. Quand il dit comment, Makoum, qu'est-ce que tu as humain, tu n'as pas l'habitude d'être comme ça, ça qui vous m'a triste, qui ça, il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas, autant de problèmes, puis les enfants, ma roue, l'entrée, moi ça va l'arrêter, mais bon. Dis-moi, c'est pas ça, hein? C'est pas ça. Ça m'a fait, hier, ma fille, tu recherches le Googler. Tu vois ça, Googler. Google, good luck. Googler. Allez, Googler. C'est Googler. Googler. Oui. Hier, il faut rechercher le Googler. Et puis, il recherche, il trouve les boîtes. Il faut rechercher. Et puis, il trouve les boîtes de vieux. Il recherche les boîtes de vieux. Pour mettre papa, machin. Tu vas chercher une boîte de vieux. Mais à la boîte de vieux, il oublie Oa.
Il dit, papa, la maîtresse m'a dit de poser une question. Il dit, qui ça? Parce qu'on a fait une leçon aujourd'hui sur les maladies sexuellement transmissibles, sur l'éducation sexuelle, sur les rapports entre hommes, femmes, jeunes filles. Ben, et papa dit, oh, papa, mon papa, c'est maîtresse, c'est vous, maîtresse, là, dit, maman, c'est bien, c'est qui ça? Qui sont les mamans de moi? Et papa, quand on parle de la masturbation, qu'est-ce que ça veut dire? De la masturbation. Enfin, ça, de la masturbation, qu'est-ce que ça veut dire? Papa, vous avez dit, c'est ça, maîtresse, là, nous, moi, de moi. Maman, tu dis, et Gilo, qui ça, quand vous? Mais tu vois, le monde, quand ça, tu l'as dit, et l'école, là, il dit, il va gagner, et il a parlé de la masturbation, de la masturbation. Alors, le monde, il a parlé de la ça. Maman a dit, mais Gilo, quand même. C'est l'école, là, ils font l'ison, bail. Et dit, maman, là. Et bien, tu vois, 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 tu Moi, je me suis arrêté de voir l'école. Il y avait Il y avait de voir l'école. Alors, pourquoi les Chinois ne gardent pas leur moto dans mon garage? Parce que c'est bagagé. Parce que parce qu'il y a ma moto. Alors, Est le point, quel est le point commun entre un ascenseur et une cigarette? On doit bailler un doigt pour... Un ascenseur et une cigarette. Ascenseur, on doit bailler un doigt pour créer... Vu comme ça, c'est possible, effectivement. Et bien, tous les deux font descendre. Oui. tous les deux vont descendre. Oui, tout à fait. Mais comment tu parles des Chinois là, Yamamoto? Qui m'a regardé l'enfant chinois, l'enfant m'a avorté. Qui m'a dit qu'elle a dit Marissa, chinoise là? Il était en grossesse et puis elle a maintenu, mais pas de chemin là, il a avorté. Il a dit à Marie pour dire que Marie, il pas de chemin là. J'ai perdu mon enfant. Non. T'as raté. En bœuf pleine et puis en femme enceinte. En femme enceinte? Et puis en bœuf pleine. Qui différence qui est? Non. Et pas ni différence, tous les deux étaient victimes par la queue. Bon, j'entends parler de le dîner à l'Élysée. Oui. Donc ça fait tout le monde parler de ça. Moi, j'ai une photo en ça. Ouais. Non, mais alors moi, je me dis, bon, dîner à l'Élysée, c'est bien, ils ont invité les élus, les hommes machins. Dîner à l'Élysée. Alors, on me dit, moi, pas de curiosité, moi, parce que je me demandais que, finalement, laissez vous souhaiter, je ne vais pas jamais dire nous ça. Alors, j'ai porté ma curiosité, moi, aller faire recherche sur Google pour qui ça, il va manger. Parce qu'on m'a dit, ils ont fait 8000 km. Pour manger frites ou bien poulet puis dire à l'Élysée. Alors finalement j'ai vu le menu, c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, etc. J'ai vu le menu. Alors le menu, ben, au menu velouté, c'est pas n'importe qui ça, hein, très bien, mais velouté de sargasse. De sargasse? Oui, velouté de sargasse. Ok. Sous sky de chlordécone, sous son lit de téfon. Ah oui. Ouais. Banane flambée au 73-74 degrés. Court bouillon d'insécurité. Matété de restriction à la sauce pouvoir d'achat. Ah.
mousse de pénurie d'huile sur son canapé d'inflation. Oh, papa. Bon appétit. Bravo. Bravo. Non, parce que ça, l'on va faire conférence, il y a un monde qui a fait conférence. C'était les loubaiseries de Tiloubert. Même pas les loubaiseries, je te donne les loubaiseries. Alors, allons, en continuant dans les loubaiseries de Tiloubert. C'est toujours pour le dîner, ils étaient invités au dîner. Dîner au palais, c'était le palais de l'Élysée, restaurant 10-15 étoiles. Dîner VIP au palais, avec des convives. Voilà, le palais de l'Élysée. Élu par les. Et bien voilà, le cas qui s'est passé. Oui, oui, c'est ce que tu disais, donc les images du dîner de. Pas de con. Les dîners de. Oui, on peut appeler ça. Dîner de con. Non, regardez, ils étaient en train de dîner. Voilà. Bravo, Tiloubert. J'ai donné le menu. Mais tout le monde a calé. Bravo, Tiloubert. J'ai donné le menu. Bravo, Marvin. Bravo. Quand on regarde Gabane dans le flambé. Les chimiques à mon désastre. Les chimiques à mon désastre. Vas-y, continue. Alors, ils étaient au dîner, au palais, avec des convives, on a vu, et élus par les, afin de satisfaire leur palais. Car pour le peuple, ils parlaient. Carte à base de lait, de Beaujolais, mais lait, c'est lait. Après lait, c'est pas lait. Pas tenir qu'à sous lait, mais poulet. Alors, au palais, beaucoup de Beaujolais prélaient. Monsieur le Président, plus de responsabilité, de spécificité, s'il te plaît. Alors, le président répond, vous êtes au palais, alors du balai. C'est balai. Bravo, bravo, vraiment bravo. Alors, donc, c'est pour nous aimer. Une pièce. Vous êtes pour Jerry? Eh bien, qui ça? C'est bien, mon enfant travaille pour sortir, pour nous, les Beaujolais. Pour qu'il pleut, qu'il gueule, les Beaujolais toujours là. Oui, très bien. Mon enfant travaille. Voilà. Alors, qui monde qui dit c'est. Alors, c'est. Nous inventons ça comme ça, hein. Oui. Mais apparemment, il paraît qu'il y a d'autres radios, d'autres télé qui les répondent bah, là. Non, mais nous mettons là, ça c'est. Donc, si vous avez pris ça, nous allons faire. Nous avons gagné, nous avons le tribunal, puis nous avons gagné. Voilà, donc, comme on dit, c'est nous, mais ça qui les fait. Mais c'est vraiment une radio qui dit qu'il les fait. Qui a dit hein? Donc, nous, c'est qui dit. Voilà, et puis qui là c'est nous. Les Beaujolais. Voilà. Donc, nous avons parti avec Tutus et l'orchestre Fila Comique. On les Beaujolais. C'est quoi? Guitare. Appuyez pas froid. Bananier, ok, West, c'est un Wélélé. Il a cassé le loto, yo. Yo, les titres pour cochon, yo. La boucherie, c'est pas même palais. Yo, toutes les pièces, je bâche, yo. Et l'organe, non filé, yo. Yo, ni patché, les types souplats. Et l'organe, non filé, yo. Yo, ni patché, les types souplats. Ça, c'est I'm okay.